La fonction scanner intelligent permet à des utilisateurs souffrant de handicap visuel d'analyser tout ou partie d'un document, d'analyser un environnement ou d'effectuer une traduction. Cela fonctionne de manière très simple et rapide. Voyons quelques exemples ensemble. Je peux par exemple demander un élément précis sur une facture sans être obligé d'écouter les nombreuses références déjà connues ou facultatives. Comment puis-je vous aider ? Scanner intelligent. Placez un élément devant l'objectif et appuyez sur l'écran pour l'analyser. Dois-je analyser un élément en particulier sur l'image ? J'aimerais connaître le montant total de cette facture. Le montant total à payer indiqué sur la facture est de 383,39 euros. Il est précisé que ce montant doit être réglé avant le 15/2/2017. Dois-je analyser autre chose sur cette image ? Comment puis-je vous aider ? Scanner intelligent. Placez un élément devant l'objectif et appuyez sur l'écran pour l'analyser. Dois-je analyser un élément en particulier sur l'image ? J'aimerais savoir ce que c'est comme boîte de médicaments et si tu as des conseils pour le prendre. L'image montre une boîte de médicaments qui est la loratadine 10 mg, sous une marque générique Milan. Il est indiqué pour les allergies, la boîte contient 7 comprimés. En ce qui concerne les conseils pour la prise de ce médicament, il est important de suivre les instructions figurant sur la notice ou celles fournies par un professionnel de santé. La loratadine est généralement utilisée pour traiter les symptômes de réactions allergiques tels que le rhume des foins. Elle est prise une fois par jour et peut être prise avec ou sans nourriture. Évitez de prendre plus que la dose recommandée et consultez un médecin si vos symptômes ne s'améliorent pas ou s'aggravent. Dois-je analyser autre chose sur cette image ? Comment puis-je vous aider ? Scanner intelligent. Placez un élément devant l'objectif et appuyez sur l'écran pour l'analyser. Dois-je analyser un élément en particulier sur l'image ? Est-ce que tu peux me donner le montant total des billets sur la table ? Sur la table, il y a 3 billets de banque euro. 2 billets sont des coupures de 10 euros et un billet est une coupure de 20 euros. Le montant total des billets sur la table est donc de 40 euros. Dois-je analyser autre chose sur cette image ?